Comment taper plus vite? Salut, c'est Loïc de Fit Martial Art, la chaîne qui t'aide à atteindre tes objectifs sportifs avec les élastiques. Dans cette vidéo, je vais te montrer un exercice qui va te permettre d'améliorer la vitesse de démarrage de tes coups de pied. Donc c'est un extrait de séance, si t'es prêt, c'est parti. Ok, donc là les gars, on va faire un exercice pour travailler la vitesse de démarrage, pour travailler l'impulsion qu'on met au démarrage de chaque frappe. Okay. Donc pour ça, j'aurai besoin de deux élastiques que je vais attacher ensemble et d'un volontaire. Qui est-ce qui est volontaire? Ok, Brice, super. On y va. Donc Brice, est-ce que tu peux mettre les élastiques autour de tes hanches? Voilà. Et te mettre en position. La tête par là ou par là, comme tu veux. C'est bon? Ok, cool. Moi, je mets bien l'élastique autour de mes hanches. Ok? Et je me mets en garde. D'accord? Et je vais faire coropit. D'accord? Donc, il faut faire attention. Dès que je démarre, je dois mettre de la tension dans l'élastique. Donc il est bien tendu, il commence déjà à s'étirer. Et là, je vais juste faire, boum, mon coup de pied. Je reviens, boum, je fais mon coup de pied. Ok, je pense bien à plier, déplier, bien faire l'armement et le retour de frein. Une fois que j'ai fait 10 en attaque, d'accord, je me retourne, je reste dans la même garde et j'en fais 10 en défense. Donc cette fois-ci, je vais faire retrait plus retrait au panda. Retrait plus ma défense. Retrait, boum, je passe. Je reviens, boum. Ça va? Donc évidemment, pour lui, c'est intéressant puisqu'à chaque fois que je recule, qu'est-ce qui se passe, Des? Quand je sens de la pression sur le corps. Il sent de la pression au niveau des hanches, donc il est obligé de verrouiller les abdos et ça force un peu plus les bras, effectivement. Une fois que j'ai fait 10 en attaque, 10 en défense, je prends sa place, d'accord? C'est moi qui me mets en position pompe et c'est à lui de faire les coups de pied. C'est cool? Merci, merci. Allez, on y va les gars, c'est parti! Voilà, j'espère que cette vidéo t'a été utile. Si jamais tu as des questions sur la préparation physique dans les arts martiaux, n'hésite pas à la laisser en commentaire avec le hashtag FitMartialArt. Maintenant, si tu veux recevoir d'autres exercices pour les arts martiaux, je t'ai préparé une série de vidéos. Pour y avoir accès, il suffit juste de cliquer dans le lien qui est sur la description de la vidéo. Allez, à bientôt!